Ben, je m'appelle Sadmou Amanou Bouava et je suis entraîneur de l'Olympique de Nouméa et adjoint à la sélection de la Nouvelle-Calédonie. Alors ça va faire 5 ans que je suis entraîneur depuis l'âge de 24 ans. Je fais partie de ce staff qui va sélectionner les 22 joueurs qui joueront contre Fidji. Ces personnes qui sont là ce soir ont du potentiel et il faut vraiment maintenant essayer de mettre ce jeu individuel-là au sein du collectif. Ça va faire pratiquement un mois que la sélection s'entraîne. Ben, il n'y aura pas de photo à faire, on ne va pas se voiler la face. L'équipe de Fidji qui arrive, elle est assez solide, elle est très technique. C'est une équipe avec des gars qui ont beaucoup d'expérience. On va essayer de produire un jeu, on va essayer d'être présent, mais on ne va pas aller chercher la gloire. On le sait pertinemment que Fidji sera une des équipes solides durant ce classique. C'est une très grande joie pour les joueurs. C'est beaucoup où on parle, ils sont fiers de jouer face à des personnes qu'ils ont vues à la télé, à des personnes qui ont côtoyé des gros championnats. Et se mettre face à eux, ça va être un grand plaisir pour tout le monde. On va premièrement se faire plaisir et essayer déjà de ne pas se faire mal. Et voilà, terminer le match en bon état. Akalin Rugby Club, ça a été une très bonne nouvelle ici en Nouvelle-Calédonie. Le fait d'avoir entendu la présence et la venue des grandes équipes internationales, ça s'est fait bouger l'environnement au sein de Nouméa, même jusqu'au nord de la Nouvelle-Calédonie. Et même moi, à mon travail, ça a parlé. Tout le monde sont très contents et beaucoup ont pris des places pour pouvoir assister à ce spectacle-là. D'où on remercie encore une fois cette organisation-là qui a décidé de faire ce classique rugby en Nouvelle-Calédonie. Mais franchement, on est très contents de cet événement-là.